Alors, bonjour à toutes et tous, nous sommes aujourd'hui mercredi 31. Voilà, mes invités viennent de partir, donc j'ai un petit moment pour filmer ce que j'ai reçu dernièrement. Donc, j'ai une enveloppe comme ceci que j'ai reçue hier, je crois même que c'était avant-hier celle-ci, donc je cache, je vais vous dire. Elle vient de Cathy L, du 62. Donc, je vais ouvrir avec vous. Je n'ai pas vu. Hein. J'ai ouvert celle-ci. Waouh. Donc, déjà, j'ai une magnifique carte. Alors, Happy Birthday. Alors, c'est un fond. Ah, il y a quelque chose qui tombe. Ah, bon, on en parlera après. Une magnifique carte, donc elle a fait le fond. Wishing you a wonderful day. Oh, c'est gentil, vraiment. Avec des coquelicots qu'elle a colorisés. Alors, le fond, elle a fait avec des peintures certainement brillantes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ça brille, c'est super joli. Oh, c'est beau, ici elle a mis du foil là, deux petites demi-perles bleues, tout dans les tons turquoise, avec elle a mis des petits tamponnages de papillons qu'elle a colorisés, un happy birthday, ça je l'ai peut-être déjà dit, ici ce sont des coquelicots qu'elle a colorisés aussi, oh, c'est super joli, donc sur un fond de carte beige comme ça, avec un très joli papier d'ailleurs, j'aime beaucoup la qualité du papier. Voilà, donc je vais lire son petit mot. Donc c'est Cathy, son pseudo YouTube, c'est Cathy Scrap. Oui, j'ai été gâtée, Cathy, par tous vos envois. C'est de la folie. D'ailleurs, je vais installer les cartes sur mon bureau, vos envois, enfin seulement les cartes et les boîtes, les livres, tout ce que j'ai reçu, bon, pas tous les petits trucs qu'il y avait avec, mais pour montrer, je ferai un petit film sur tout ce que j'ai reçu. Ton petit mot me touche beaucoup. Alors, Cathy met souvent des commentaires sous les vidéos. C'est vraiment agréable. Donc, voilà. En plus, à l'intérieur, il y avait une ATC coin, comme ça, marquée Amitié, avec une jolie découpe de papillons. Sur un fond qu'elle a réalisé elle aussi. Une belle fleur comme ça, découpe en 3D. Il y a deux rangées de pétales, c'est super joli. Le fond est rose avec des écritures comme ça. Alors c'est le thème amitié, c'est la 2/4 et elle a été faite le 24/07. Voilà, donc elle a fait ça. Après elle m'a mis... c'est des fleurs aussi qu'elle a fait elle. Hein. Alors, sur une carte avec des smileys remplis de petits smileys qui font des sourires avec un soleil. Voilà, elle m'a fait des petites décos comme ça pour glisser sur les cartes ou dans les albums. Voilà, et une rangée de fleurs. Alors, dans les tons orangé, jaune et dans les tons bleu et parme. Voilà. C'est super joli. Peut-être que vous verrez mieux si j'enlève ça. Parce que ça fait du reflet, ça. Bon, j'espère que j'aurai le temps de tout vous montrer. Ce que... Voilà. Donc, c'est super bien, ça. Voilà, on voit mieux comme ça. Voilà. Alors, un petit... tac comme ça sur le thème de l'été. Des petites fleurs comme ça, je sais pas en quoi tu les as fait, tu les as faites, je sais pas si c'est avec des filtres à café là, comme vous faites toutes là, en tout cas elles sont super jolies,
Je te remercie beaucoup, Cathy. Alors, elle s'est pas arrêtée là, Cathy. Elle m'a mis un petit sachet avec des demi-perles, vous savez, les perles d'eau. Alors, c'est bien parce que je dois te dire que j'en avais pas des mauves, j'en avais pas des rouges. Donc, elle m'a mis plusieurs couleurs. Donc, ça, c'est bien. Je vais les mettre avec les autres. Et alors là, elle m'a fait un tas de découpes. Alors, j'aime pas trop les sortir et des tamponnages. Mais je vais regarder un peu parce que je n'ai pas ces découpes, je crois. Alors, les tamponnages, je suis un peu curieuse parce que je vois qu'il y a des petits mots. Et moi, il y a plein de mots que j'ai pas. Alors, ça, c'est super bien. Alors, le jour J. Moment de bonheur. Je vais surtout vous montrer les petits mots parce que ça, c'est ce que j'aime. Ah, le bonheur à l'état brut. Oh là là, la vie en rose. Oh, c'est super, j'ai peint ça. Home is where is my is. Donc, la maison est où ton, ma maison est où ton cœur, où mon cœur, où le cœur se trouve. Voilà. C'est dans un sourire que l'on calcule le taux de bonheur et la dose d'amour à prescrire. Ah ben voilà, oh là là. Séquence émotion. Oh, ça c'est super bien ça. Cheese. Une jolie petite tasse. Photo surprise. Alors j'avance assez vite parce que voilà. Des petits tamponnages, merci, comme ça. Voilà. Un petit chien, mais c'est surtout les mots, c'est bien parce que j'ai pas du tout nous deux avec un cœur. J'ai pas beaucoup les mots. Bon, souvent je les prends sur internet, moi sur je les imprime. Notre famille, ça j'en ai peut-être notre famille que j'ai imprimé moi. Joli sourire, ça c'est bien pour mettre sous une photo, c'est super. C'est le printemps, donc après elle m'a mis des petites moustaches, des petits paysages. Des fleurs. Oh, ceux-là sont beaux. Elle a mis deux portraits de jeunes filles. Ça, c'est bien pour mes petites filles. Ça, c'est super, tes tamponnages. Oh, super, super, super. Ça, j'aime bien les tamponnages comme ça de mots parce que je n'ai pas. Donc ici, elle m'a mis le café des artistes. Et là, c'est plein de découpes. Alors, les découpes, je les sors pas parce qu'elles vont s'en mêler. Je les regarderai. J'ai vu qu'il y a... des cœurs, des fleurs, des arabesques, un palmier, un toucan, voilà, de l'herbe. Donc ça, je les enlève pas parce qu'elles vont s'en mêler. Alors je ferai le tri. Voilà. En tout cas, Cathy, je te remercie beaucoup. Ton envoi me touche énormément. Ta carte est super. En plus, elle m'a mis un petit tag comme ça avec plein de washi. Celui-ci est super. Avec les fleurs comme ça, ils sont super jolis. Le bleu, j'ai pas beaucoup de washi bleu. Donc voilà, donc je ferai le tri de tout ça. Je me fasse d'autres petits classeurs pour mettre toutes les découpes que vous m'avez envoyées parce que et que je fasse le tri, donc je vous remonte la carte de Cathy, comme ça, toute brillante. Alors, c'est de l'encre. C'est joli comment ça fait, là. Ça brille. Super joli. Tes fleurs sont magnifiques. Donc, je vais mettre. Voilà. Ici. Je te pose là. Alors, ensuite. Alors. Voilà. Ça. Alors, j'ai une autre carte comme ça. Donc, elle me vient de Marion. Que je trouve mes ciseaux. Celle-là, je n'ai pas ouvert. Je vais ouvrir sur le côté. C'est des fois. Alors, Marion m'a envoyé une carte. Voilà, comme ceci. Happy birthday. Oh, c'est trop mimi. Elle est toute décorée à l'intérieur. Tu m'as déjà envoyé une carte, Marion, voilà, avec plein de jolies choses à l'intérieur. Des... Oh, c'est trop mimi, elle m'a fait une ATC comme ça, sur le thème des animaux. C'est trop mignon. La petite vache et l'écureuil. Les sacrés animaux.
C'est trop mignon. Donc là, 6 sur 15. Et elle m'en a mis une autre. Ces instants d'amour, for you, du bonheur et de joie. C'est super gentil. 3 et 3, 3 sur 9 comme chien et chat. C'est trop mignon. C'est trop mignon, trop gentil. Donc je vous remonte la carte de Marion. C'est super sympa, Marion. Je vous remercie toutes pour vos envois. Alors, il y a autre chose. Je sors. Il y a autre chose, c'est tombé. Voilà. Donc, elle m'a fait une autre ATC coin. Voilà. Jaune, comme ceci. C'est l'été. Voilà. Avec des fruits, des fleurs. Un fond comme ça, vert et jaune. Une petite étoile. Et il y avait un petit verre. Alors, je ne sais pas d'où il est tombé. Voilà. Un petit verre à cocktail. Avec une paille, un petit morceau de pastèque. Et je ne sais pas s'il est tombé de la carte ou s'il était à l'intérieur pour me faire un petit plus. Alors tu me diras, Marion, s'il est quelque part que je le recolle. Voilà, bah, je te remercie pour tes 3 ATC. C'est super gentil. Ta gentille carte. Donc je ne vais pas tout mélanger parce qu'après, pour les choses, maintenant j'ai décidé de mettre un peu les noms sur les trucs parce que. Alors là, je vois. Bon, pareil, je vais ouvrir. Alors, ça c'est Liliane. Je peux dire Liliane Carr parce qu'elle donne son nom sur YouTube. Donc, regardez les deux beaux timbres. Ça, je les ai jamais eu ces timbres-là. Ils sont super. Donc, je vais ouvrir de l'autre côté. J'ai ouvert la première, je n'ai pas ouvert les autres. Alors, voilà. Il y a des petits paquets emballés. Alors, je fais attention. Avec du joli papier. Alors, je vais mettre ton enveloppe là pour pouvoir remettre. Voilà. Ici. Alors, j'ai deux paquets. Donc ici, elle me met que c'est le 1. Donc il se présente comme ça. J'ai un petit numéro. Une petite ficelle. Alors j'aime bien, c'est très nature. Un joli papier de soie. Enfin, crépon. Si je commence à dire des bêtises. Oh là là, c'est super joli, Liliane. Alors, sur un papier gaufré comme ça, vous voyez. Oh, c'est super joli. Tout ondulé plutôt, pas gaufré, ondulé. Voilà, fait de la patou, c'est elle qui a tout fait. Donc, le cœur comme ça, avec une peinture métallisée, les petites fleurs, des feuillages. Happy birthday. Elle est très jolie ta carte. À l'intérieur, je vais vous montrer le bas de la page. Elle a tout décoré. Avec des gâteaux d'anniversaire, des cadeaux. Ah bah tiens, je viens de faire des tags avec ce système de papier. Moi, j'avais trouvé qu'en vert et pas en bleu. Et justement, j'ai fait un tag avec. Je vais vous le mettre en vidéo. Non, je suis née au mois de juillet, mais c'est vraiment super gentil. Ne sachant pas la date, elle me le souhaite à l'avant. Oh, c'est vraiment, mais comment ça, t'es pas n'importe quoi, tu dis des bêtises, Liliane. Vous êtes toutes capables, les filles, moi je viens de commencer, alors qu'est-ce que je dois dire par rapport à d'autres qui sont au top niveau, qui font de la peinture, des fonds, moi j'ai encore tout ça à apprendre. Et à faire. Donc ici, vous voyez, c'est du tissu qu'elle a peint, là, le petit cœur, là, comme ça. Elle a mis plein de demi-perles. Ici, il y a des strass. Oh non, elle est super originale, ta carte. J'en ai pas eu de comme ça, avec du papier ondulé. Il y a que Joël qui m'avait fait ça sur du papier ondulé. Voilà, il est toujours à côté de moi, celui de Joël. Voilà, vous vous souvenez, elle m'avait fait un envoi comme ça. Bon, je vais cacher ce que j'ai comme moi, je l'utilise. Donc, il y a des petits mots perso. Voilà. Mais c'est la deuxième carte que je reçois. Enfin, la deuxième chose que je reçois. Voilà. Et moi, ça y est, j'en ai acheté du papier comme ça. Et je l'utilisais derrière. Voilà.
Donc c'est Liliane du 29, vous voyez, elle a signé, elle a fait un beau tamponnage comme ça, dans les tons bruns. Il ne faut pas dire ça, Liliane, c'est super beau ce que tu fais. Voilà, donc la ficelle, mais ça moi je garde tout, alors donc vous le savez, hein, je me répète à chaque fois dans toutes mes vidéos. Mais je garde, d'ailleurs ça devient un peu encombrant. Alors là j'ai le paquet numéro 2, hein. Je ne me trompe pas. Toujours avec ce joli paquet. Oh, qu'est-ce qu'elle m'a fait là? Ah, ça colle. Que je... Oh, c'est. Oh, c'est trop gentil. C'est vraiment trop gentil. Je ne sais pas comment tu as fait ça. Hein. Donc, c'est gravé. Et à l'intérieur, elle a mis mon nom, Marie Callac. Sur une petite. Oh, c'est trop gentil. Ici, elle a fait un tamponnage avec. Il y a comme un tamponnage d'envoi avec un timbre, un petit avion, le tampon de la poste, carte postale, et elle a marqué Love. Une photo ancienne dans un petit cadre, des plumes, des fleurs, de la dentelle, une petite rose en résine. Mais je les ai, ces petites roses blanches. Et elle a passé, voilà, et elle a signé Liliane 20. Oh, c'est super original, c'est très 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 sympa. Mais dis donc n'importe quoi quand tu dis. Oh, j'aime bien. C'est vraiment, mais ça me touche. Tu sais, Liliane, c'est mon plus bel anniversaire parce que je n'ai jamais, jamais, j'ai eu autant de courriers. C'est la première fois de ma vie, mais la première fois, j'ai 66 ans. Hein. Que je suis autant gâtée pour mon anniversaire. Comme je dis toujours, je ne parle pas de mes très proches, de mon mari et de mes enfants. Hein. Je ne parle pas de ça. Hein. Mais bon, que ce soit même la famille en général ou voilà. Voilà. Je dois dire, je n'ai jamais fait non plus de grandes fêtes pour mon anniversaire ou. Voilà. Je crois que mon autre plus bel anniversaire, c'était mes 60 ans à mon boulot. Pour ma retraite et mes 60 ans, les filles avaient fait une chose d'enfer. Donc franchement, Liliane, je te remercie de tout cœur. Et je vais l'utiliser parce que je me demande si je ne vais pas l'utiliser. Avec ce nom, je vais changer le, je vais le prendre en photo et je vais le mettre dans le fond de ma chaîne YouTube. Tu vois, Liliane? Voilà. Comme il y a mon nom, les petites planchettes, c'est trop joli. Franchement, c'est super gentil. Ça me touche tout le temps que vous prenez pour faire quelque chose. Franchement, prendre du temps pour les autres, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Des mots, dire on t'aime ou ceci ou cela, s'il n'y a rien de concret à côté, c'est que des mots. Hein. Voilà. Donc ensuite j'ai une autre carte. Alors celle-là me vient de Linda du 33. Donc je sais qui c'est, mais Linda. Elle, j'aime bien ce qu'elle fait ici. Elle a d'ailleurs une de ses cartes trône là-haut sur mon. Donc, elle m'a envoyé une carte d'anniversaire comme ça, toute faite. Donc, ça, c'est pas elle qui l'a faite, mais le cœur y est parce qu'il y a des roses, des perles, de la couleur or, enfin, ce que j'aime. Joyeux anniversaire, et le principal, c'est ce que je vais lire à l'intérieur. Une carte toute prête. Oui, dans un slush chabi. C'est super gentil, Linda. Alors, Linda, elle a une chaîne, c'est Linda Mistralala. Alors, vous pouvez aller la voir parce qu'elle fait des trucs super sympas. Voilà, j'aime beaucoup la chaîne de Linda. C'est très gentil, Linda. Le cœur y est, c'est le principal. C'est franchement, on s'en fiche de la date. On n'est pas un jour près, tu sais, quand on a 66 ans.
n'est pas trop pressé, hein, en fait, hein, qu'on nous souhaite l'anniversaire, que ce soit 4 jours avant, 3 jours après, enfin, avant, on aime moins, je préfère après. Voilà, donc j'ai une autre carte, alors là, je vais cacher. Voilà, alors là, je peux dire le nom aussi parce que elle met ce nom quand elle nous met les commentaires. Donc regardez, avec des beaux timbres, avec des fleurs, un petit oiseau. C'est Anne-Marie Tiré. Alors, elle habite dans le 16 et elle m'a mis un magnifique, alors, je vous remonte, hein. Washi Happy Party Love Smile. Donc, smile le sourire, happy être heureux, love l'amour. Enfin bon, c'est hyper touchant. Hyper, hyper. Je vais tout vous montrer ce qu'il y a son adresse avec. On regarde, on suit. Bon, ça va, j'ai encore un peu de temps parce que j'ai une autre ouverture. Oh, j'ai une autre ouverture à faire. Donc. Oh, bon anniversaire. Toutes ces... Alors, je vais lire le mot. Toutes ces roses trémières sont pour toi. Des Charentes-Maritimes. C'est super gentil. Donc, voilà. Très joli. Alors, ensuite, elle m'a mis un morceau de tissu dans le style marin. À rayures, de la toile, voilà, comme on utilise en Bretagne, bleu marine et blanche. Elle est magnifique et je vais vous montrer pourquoi elle a mis ce tissu pour protéger ce qui vient dessous. Elle m'a fait une magnifique carte sur le thème marin. Alors franchement, j'adore ce que tu as fait. Oh, c'est super beau, puis c'est elle qui a fait le fond. Oh, c'est magnifique. Tati Pompon. Oui, parce que Gégé l'appelle Tati Pompon. C'est vraiment... c'est trop beau ce que tu fais. On voit bien le mouvement des vagues. Et en plus, je peux te dire que je suis fan parce que je lisais beaucoup, quand j'étais plus jeune, de romans d'aventure qui se passait sur la mer, parce que j'ai toujours aimé, donc les voiliers, les frégates, les bateaux comme ça, à voile, pas les bateaux à moteur, hein, ça c'est bon, ça m'intéresse pas trop. Bon, les romans d'aventure que je lisais, ça se passait souvent sur des bateaux comme ça, qui partaient dans les pays lointains. Oh, puis en plus, tu écris bien, c'est agréable. C'est magnifique. Non, non, tu as fait une jolie aquarelle, tu ne te vantes pas. C'est magnifique, magnifique. Écrit un mot, c'est plus que touchant. Ouais. Le tissu, c'était pour protéger le petit poisson. Voilà, je savais. Vous voyez, c'est elle qui a tout aquarellé. C'est vraiment, c'est super joli ce que tu as fait. Oh non, j'ai pas fait encore ça. C'est beau. C'est magnifique avec le phare, le trois-mâts, le voilà, il n'y a que deux mâts, mais il y a trois voiles. Non, il y en a trois, il y a trois voiles. Super beau. L'angle, excusez-moi, hein, je regarde de près parce que c'est vraiment. Donc elle a suivi un tuto pour faire ça, le tuto de Cali. Il fait ça avec les feutres aquarellables. C'est super beau. Et ta carte avec les roses trémières, c'est super gentil. Bah franchement, Anne-Marie,
Je te remercie de tout cœur. Et le tissu, bah, c'est super parfait parce que je vais l'utiliser. C'était pour protéger. Maintenant, il va plus avoir besoin d'être protégé. En plus, je te remercie pour ces jolies timbres que je vais récupérer. Alors, merci. Voilà, et tu n'as pas besoin de me remercier pour ce que je t'ai envoyé pour ton anniversaire aussi. C'est normal, on se le souhaite. Alors maintenant, j'ai un autre paquet comme ceci. Alors, je vais l'ouvrir en espérant, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, sinon je fais la vidéo en deux fois, hein, comme d'habitude. Parce que le temps que j'ouvre le colis, je vais stopper le temps que j'ouvre le paquet. Donc voilà, je reviens. Donc j'ai ouvert le paquet. Voilà comment ça se présente. Donc je suppose que ça, c'est la carte. J'ai bien remis en route. Hein. Oui. Donc dans une enveloppe jaune comme ça. Et je reconnaîtrai entre toutes quand elle fait le M comme ça, comme un cœur. C'est Bérangère de la chaîne Les Créatures de Bébé. Donc elle m'a fait une carte avec. Une superposition comme ça de papier. Donc, ah, il y a un petit mot qui glisse. Alors, je vais le tenir, pas qu'il tombe comme ça. Dans les tons beige, alors tout est ancré dans les tons beige, dans les tons roses, dans les tons bleu turquoise, dans les tons un peu gris, du rose à pois blanc, du bleu à pois blanc. Enfin, il y a un peu de tout. Il y a de la toile comme ça, du tissu, de la cordelette, les fleurs de chez Action. De la dentelle avec enfin vous me comprenez, si je vous le montre de près, à chaque fois j'oublie le nom, c'est terrible, alors que j'en utilise pas mal. Donc une petite étiquette, joyeux anniversaire, des demi-perles roses ici et des demi-perles bleues dans le sens, voilà comme ça, par la taille, une petite, une moyenne, une plus grosse. Alors, je vais lire le mot de Bérangère. Oh là là. Alors, elle aussi, elle écrit bien Bérangère. Hein. Toutes ces cartes, je m'y attendais pas du tout. Hein. Elle me dit que ça serait le comble qu'elle ne me fasse pas un cadeau fait main. Ah oui, t'as raison, tu me laisses le découvrir. Merci, oh là là. Oh là là, bébé, c'est trop, 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 trop gentil. Trop gentil. Je vous dis, j'ai jamais été autant, autant, autant gâtée. Je répète, je répète, je répète. Tu me diras douteuse, mais. Alors, nous allons découvrir le cadeau de Bérangère. Alors déjà, je vois que ça pèse lourd. Alors, je ne vais pas déchirer tout. Je vais garder ta jolie boîte pour un prochain envoi. Hein, ça peut servir. Je vais découper le scotch. Tout est bien emballé. Donc, je pense que là, il me semble, on dirait, si je me trompe, je ne vais pas dire de bêtises. Alors, Anne-Marie, tais-toi avant d'ouvrir. Je sais que tu fais des merveilles. J'ai vu, donne notamment dernièrement tes roadbooks qui sont magnifiques. Oh, c'est magnifique. C'est splendide. Alors, je sais que tu fais ça. Je ne m'attendais pas à en avoir un. Donc avec du tissu, avec des roses et bah des roses roses et du vert, un élastique pour fermer, un peu comme elle m'a mis la même fermeture que m'a mis Karine pour sa merveilleuse boîte marron, dont je l'avoue, hein, je suis fan, fan, fan. Cahier à idées. Oh mais ça, mais c'est une super idée, moi qui adore écrire et tout ça. Oh! Donc voilà, le petit élastique comme ça, avec une petite fleur, comme ceci, de chez Action. Regardez comme c'est joli ça. Cahier à idées, c'est en. Je ne sais
pas en quoi c'est. Hein. Je sais pas si c'est toi qui as fait. Alors, il y a de la toile de jute marron comme ça, j'avais jamais vu ça non plus. Il y a de la dentelle, la toile de jute marron, une fleur de chez Action. Elle a fait une petite découpe de tissu pour faire comme des petits branchages. L'autre toile de jute beige comme ceci. Ici, c'est du papier, un peu comme du papier plastifié avec des petites plumes grises. Alors, j'ouvre. Allez, je vais à la découverte. Ne cherche pas. Oh, je vais pleurer encore. Bon, je reprends. Hein. Si je peux pas terminer là, parce qu'il est magnifique, son carnet à idées, c'est super, super, super. Donc, elle a mis une pochette comme ça qu'elle a toute décorée. Et dedans, elle m'a mis, voilà, de la dentelle comme ceci avec. C'est super. Voilà, du tissu comme de la gaze. Elle m'a mis des petites. Ah bah je laisse ce tampon, petit bonheur, tout simplement. Voilà, des petits tamponnages. Du tissu comme ça, avec des roses. Ça, j'adore. Hein. Il est magnifique. Donc ici, on voit une petite feuille, pareil, faite en plâtre, je pense. C'est un moulage. Voilà, avec une rose de petite de chez Action. Et ici, ne cherche pas le bonheur, crée-le. Alors, ça se divise en trois. Je vois qu'il y a trois carnets. Donc, elle m'a fait des carnets comme ça. Voilà, donc il y a des pages comme ceci. Oh, c'est magnifique. Des pages blanches. Alors non, ça c'est sûr que je vais m'en servir. Donc le premier carnet, il est dans les tons verts. C'est super bien décoré. Alors là, c'est dans les tons roses. C'est magnifique, bébé, ce que tu as fait. J'adore, j'adore. Voilà, là, regardez comme c'est bien décoré. Cette superposition de tissus, de dentelles, de petits bonheurs tout simplement. Oui, je vais noter tous mes petits bonheurs. Je vais vous mettre les chaînes des filles pour celles qui ont des chaînes. Et elle m'a fait le dernier carnet comme ça. Alors celui-là à l'intérieur, il est jaune rayé. Ouais, c'est ça. Les deux côtés pareil. Et celui-là, il est un peu vert avec des tours Eiffel. Et je pense qu'elle a mis les tours Eiffel parce que la petite phrase va bien avec. L'espoir est le pilier qui soutient le monde. Et ça, c'est bien vrai. Sans espoir, on n'est rien. Si on n'espère pas un peu. Donc elle m'a fait, elle sait que bébé, que j'aime écrire. Donc voilà, elle m'a fait ces petits carnets, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Et là, elle m'a fait une pochette avec un joli stylo et des paillettes. C'est trop gentil, bébé. Alors, je vais le remettre correctement. Ah, ça, c'est sûr que je vais l'utiliser. Hein. En plus, je vois que tu utilises le mien à chaque fois, que tu nous veux nous donner une petite pensée à la fin de tes vidéos. Ici, elle a mis une petite fleur. Moi, je l'avais acheté aussi, ces fleurs-là. Je les avais achetées chez Noz. Eh bébé, tu m'as ému, ému par ton cadeau. De toute façon, toutes les filles, vous m'émouvez parce que je m'attends pas du tout à. Franchement, je m'attends pas là. Ça fait trop d'émotions d'un coup. Alors, je vais tout remettre parce qu'après, je vais faire le tri correctement. Alors, est-ce que t'as mis que c'était toi qui l'avais fait? Je vais mettre ton nom. Parce que. Bon, quoique. J'ai pas eu beaucoup de trucs. C'est souvent dans les paquets de découpe que je me trompe, que je sais plus si c'est un tel ou un tel qui me l'a fait. C'est super joli. C'est une façon. Je sais pas comment expliquer quel est le style de ça. C'est bohème. Voilà. Il y a un beau bijou ici qu'elle a fait avec des trombones, du tissu, un petit truc comme ça, là, de la dentelle. Alors elle a mis tout dans les tons verts pour me faire plaisir.
le petit bijou comme ça de carnet. Puis alors, ton petit élastique vert comme ça avec la petite fleur pour le maintenir. Ah, c'est super. Franchement, les filles, alors ma vidéo va couper, va couper, va couper. Je vous fais des milliers de gros bisous. Je vous remercie toutes, toutes, toutes. Comme je dis, je suis toujours émue par tant de gentillesse, tant d'attention. Ça me touche énormément. Voilà, allez, bébé, la dernière, je monte ta carte. Je vous remercie. À bientôt, les filles et les garçons. Bonne journée à toutes et tous. À bientôt. Bisous. Bisous, bisous.